Voici un bien curieux champignon. Il s'agit de l'hydne ferrugineux ou hydne rouillé. Ce champignon fait partie de la famille des hydnes, comme le pied de mouton, et donc dessous, il est muni d'aiguillons, qu'on verra plus loin. Ce champignon a un sosie, c'est l'hydne de Peck. On distingue ces deux espèces seulement au goût, c'est très dur au visuel. Un est amer, celui de Peck, et notre hydne ici, ferrugineux, est de saveur bien plus douce. C'est un des seuls moyens de les identifier, surtout quand ils sont jeunes. On voit que la chair, la caractéristique principale, c'est d'exuder des gouttelettes d'un liquide sanguinolent, un peu plus clair que le sang, toutefois. C'est un superbe champignon. Il est non comestible, bien sûr. Il n'est pas toxique, hein, mais on ne peut pas le manger. Il est très dur et totalement inapte à la cuisine. Voilà, on voit bien les aiguillons caractéristiques des hydnes, comme le pied de mouton. Donc c'est la même famille. Voilà, je trouve ce champignon vraiment magnifique. Il valait le détour, franchement. On dirait un petit coussin qui exude des gouttelettes de sang. Un petit coussinet. Alors il peut devenir bien plus grand, hein. Et il sèche après, hein, donc il est beaucoup moins joli. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. En attendant, une nouvelle pousse de champignons pour de nouvelles découvertes et identifications. En attendant, portez-vous bien et à très vite.